Le petit déjeuner du matin. On est ici au soleil, tranquille, à Val di Mello. C'est le crack machine. C'est de l'off week. C'est pour s'entraîner en off week. C'est vraiment idéal. Faire ça le matin, c'est l'idéal. Aujourd'hui, dans Relais Vertical, on prend le petit déj avec Sean Villanueva. Et le petit déjeuner avec Sean, c'est toujours assez fatigant. Joli. Alors on a croisé Sean lors du Mello Bloco le mois dernier. Il avait tous les doigts fracassés, mais il grimpait toujours, histoire de se préparer pour le prochain Big Wall. On en a profité pour parler avec lui de son amour pour l'aventure, du beau rocher, mais aussi des fissures dégueulasses trempées, et donc de la douleur. Moi, je suis venu il y a 2 semaines, là, déjà. Je suis venu pour 3 jours. Et puis, en fait, j'ai trouvé la vallée tellement splendide que je suis resté. Par hasard, il y a le Mello Bloco qui est arrivé. Et voilà, c'est l'occasion de croiser plein de grimpeurs et des amis. Et voilà, de faire de nouvelles rencontres. C'est pas mal aussi. J'ai fait du bloc, j'ai fait des grandes voies aussi parce qu'il y a des grandes voies vraiment splendides ici, vraiment super. J'ai pas mal de doigts qui sont en sang. Hein. Je veux qu'il n'y ait pas de peau en contact avec le rocher. Quand je suis en Europe ou quand je suis pas en expédition, bah, tout ce que je fais en fait c'est un peu de la préparation pour la Big Wall. Après, j'appellerai pas ça un entraînement parce que j'adore. Faire ça à fond aussi. Pas le considérer comme un entraînement, mais après, tu vois, quand tu as un projet de Big Wall, bah, tu dois te préparer, quoi. Quand tu vas dans un endroit isolé comme ça, il vaut mieux être le plus fort que tu peux être, quoi, parce que si tu l'es pas, bah, tu vois, t'es quand même dans des endroits vraiment engagés et t'essayes des trucs durs, donc tu dois être le plus préparé possible. C'est vraiment du terrain d'aventure, quoi. C'est vraiment, c'est l'exploration. Il y a beaucoup d'inconnus, et c'est ça qui me fait, qui me donne la passion, quoi. Pour trouver le sommet de ton rêve, t'es pas obligé de venir ici. Ta gueule ! D'avoir froid et de geler des coups, des mains et des pieds. Ta gueule ! Je ne veux pas dire que nécessairement que c'est meilleur, parce que j'aime bien aussi du rocher de super bonne qualité, avec des belles lignes bien propres et tout ça, j'adore ça aussi. Mais ouais, quand c'est du rocher pourri ou quand c'est dégueulasse, quand c'est mouillé, c'est un autre défi si tu veux. Il n'y a pas de neige là. Mais le défi est le même. C'est un autre défi, mais le défi est le même. Mais, tu vois, quand il pleut, tu peux grimper. Peut-être pas aussi dur que s'il ne pleut pas, mais... Tu peux grimper du rocher mouillé aussi. Et c'est le même défi, le challenge, il est là quoi. C'est ça qui est chouette en escalade, de se donner à fond. Quand le rocher est sale ou quand c'est pourri, j'accepte ça comme partie du challenge, du défi. Et ouais, j'adore ça aussi. J'adore. Voilà, quand tu mets du tape comme ça sur tous les doigts, c'est la même chose. C'est pas idéal parce que l'adhérence est un peu moins bien sur les réglettes et les plats, mais si tu acceptes ça comme une partie du défi, c'est là que tu grimpes le mieux en fait. C'est quand tu te donnes pas d'excuses. Tu essayes juste de faire ton mieux, quoi. Ça m'arrive hein, de donner des excuses tout le temps. Hein. Chaque fois, quand je donne une excuse, j'essaye aussi de me dire « Ah oui, c'est pas important. » Le but, c'est pas de se faire mal, mais ça aussi, ça fait partie du défi, quoi. Et y a moyen d'apprendre à accepter la douleur et même à un peu aimer la douleur. C'est dur à expliquer. Pour faire des grandes voies, et pour faire du big wall et du terrain d'aventure comme ça, t'es obligé d'être un peu maso parce qu'il y a beaucoup de douleur. Tu vois, tu souffres beaucoup, quoi. T'es fatigué, tu dors pas beaucoup,
t'es cassé, tu dois avancer, t'as le froid, t'as les conditions, t'as les mains en sang. Nos corps sont fracassés, comme une Porsche qui a roulé 200 à l'heure contre un mur. Bam! Un peu comme ça. Et tu continues, quoi. Donc, si tu n'aimes pas ça, tu loupes une grande partie de l'expérience, quoi. Parce que la douleur, ça fait partie de cette expérience-là. Et donc, si tu aimes la douleur, bah, tu t'amuses, quoi. C'est là que tu profites. Et ouais, c'est génial. Merci, Steph. Ça passe pas, quoi. Mais quand ça passe bien. La douleur, c'est des messages qui te disent que tu vis, quoi. Tu vis vraiment. C'est comme quand Allez. Tu goûtes quelque chose, tu vois, vraiment, et que tu le goûtes pas seulement sur la langue, mais tu le goûtes partout, ben, la douleur, c'est la même chose. Tu le sens, et tu sens que tu es vivant. Dans les moments où c'est vraiment dur, où t'as mal, ben, c'est important de savoir pourquoi t'es là. T'es là pour vivre et pour profiter. C'est ton propre choix d'être là, donc autant en profiter, quoi. Même si c'est dur. Fissure mouillé, glacé. Il faut rire, quoi, même dans les moments durs, quoi. Et c'est clair que nous, en expédition, on est toujours en train de rigoler, de faire des petites blagues. Et est-ce qu'ils ont la même chemise pour Rome? Ça permet de relâcher les tensions et de profiter de la vie. Ces aventures donnent généralement naissance à des films aussi impressionnants qu'ils sont délirants. Le dernier est d'ailleurs en train de récolter pas mal de prix dans les festivals. Et là, en ce mois de juin, il est de retour en Terre de Baffin avec ses acolytes. On est pressé de voir quelques images.